Claire Dupuis sur pas pour le dernier workshop de cette matinée, et donc le workshop d'ensemble un job. Le sujet, c'est les clés pour comprendre votre désir de reconversion. Effectivement, c'est un vaste sujet et, qui nous pose beaucoup de questions. Et en général, on aime bien savoir par où on doit commencer et comment on peut continuer. Et Claire est là pour ça, pour nous éclairer. Bonjour Claire. Coucou Séverine, merci beaucoup. Merci à toi, contente de vous retrouver. Un petit peu frustrée de lien social. J'aimerais bien avoir davantage d'interactions avec vous, malheureusement. Donc, c'est bon, je peux y aller ? C'est à toi. Ça marche. Alors, j'espère qu'on aura une bonne qualité de connexion. Donc, moi, je m'appelle Claire Dupuis-sur-Pas. Donc, comme je vous le dis, je suis contente d'être sur le salon. Ça fait plus d'un an maintenant que les rencontres me manquent cruellement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer cet après-midi et demain. Donc, moi, voilà, mon sujet ce matin, c'est de vous donner des clés pour comprendre... pour comprendre pourquoi vous êtes là ce matin, pour comprendre pourquoi vous avez un questionnement et un désir de reconversion. Alors, moi, je suis Claire Dupuis-sur-Pas, donc j'ai créé Ensemble un job, qui est la première plateforme de bilan de compétences collaboratives. Donc, on est innovant, on est solidaire au juste prix. Ça fait 5 ans que j'ai créé ma société. Auparavant, j'étais dans les RH. Donc, du coup, j'ai acquis une vraie expertise en développement professionnel et accompagnement à la recherche d'emploi. C'est pour ça que je me permets de vous dire que là, je vais vous donner un contenu de qualité. Et donc, je vous invite à être assez attentif, à prendre des notes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On n'a pas beaucoup de temps et j'espère que ça va vous enrichir. Alors, la première clé, je rentre directement dedans, c'est de prendre de la distance, et j'ai envie de vous dire même de comprendre le schmilblick. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, hier, j'écoutais la radio et j'entendais des experts de l'emploi me dire qu'il y avait 49% des actifs qui pensaient changer, enfin, qui pensaient se reconvertir, d'accord ? 49% des actifs. 49% des actifs. Donc là, c'est carrément le délire. Du coup, j'ai été regarder l'étude dont il parlait. Et en fait, dans l'étude, il y avait marqué qu'il y avait 49% des actifs qui pensaient changer d'emploi. Ça ne veut carrément pas du tout dire la même chose. Et il y en a 27% qui envisagent une reconversion professionnelle et 20% qui sont en train de préparer une reconversion professionnelle. Donc, en fait, je me suis dit, est-ce que vous comprenez quelque chose ? Personnellement, je n'y comprends juste rien. Donc, en fait, ça veut dire quoi, changer d'emploi versus se reconvertir? C'est quoi la différence entre envisager et se préparer? Et en plus, là, ça fait un an que vous, que moi, on est en Covid, que ça fait peut-être un an que des personnes qui sont avec nous aujourd'hui sont en chômage. Ça fait un an que des personnes qui étaient en recherche d'emploi trouvent que c'est encore un peu plus compliqué de trouver du boulot. Et ça fait qu'un an qu'on ne cesse de vous parler encore et encore et encore de reconversion, comme si c'était la solution miracle, en comprenant avec ces éléments qu'en fait, juste, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc, ma première clé, alors déjà, je voudrais bien vous inviter, celles qui sont présentes, à nous faire part de votre situation, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi ? Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, en train de vous préparer à une reconversion ? Non, sérieusement, est-ce que vous êtes au chômage chez vous ? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes en télétravail? Comment vous vivez les choses? J'aimerais bien qu'on ait un petit échange là-dessus. Donc, ce que je voulais vous dire, la première clé, c'est vraiment, s'il vous plaît, prenez de la distance. Mais prenez de la distance. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Vous avez des conditions de travail qui sont dures. Le marché de l'emploi qui est totalement mouvant. Il y a des endroits où ça cartonne, il y a des endroits où ça cherche. C'est très compliqué, les cartes sont en train d'être rebattues. Donc, s'il vous plaît, la clé numéro 1, c'est de prendre de la distance. C'est important pour moi de vous dire ça. La deuxième clé, c'est justement de savoir ce que c'est qu'une reconversion.
Même si vous envisagez, vous êtes en train de vous préparer ou vous voulez changer d'emploi. En fait, ça veut dire quoi, une reconversion? Une reconversion, c'est un changement radical de métier et de domaine professionnel. La reconversion, ça implique d'abandonner des compétences que parfois vous avez mis des années à acquérir pour pouvoir, ça vous demande aussi l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est vraiment un départ à zéro. C'est génial. C'est grisant, c'est un champ des possibles qui est hyper vaste. C'est aussi un chemin et il faut savoir vers quoi vous allez. La deuxième condition pour une reconversion, c'est un changement effectif. Autrement dit, et là, ça fait peut-être écho aux personnes qui sont en train de se préparer, c'est qu'en fait, tant qu'on est en chemin, on n'est pas arrivé et que vous pouvez vous préparer à être un STIT si vous n'avez pas le concours, eh bien, la reconversion ne sera pas aboutie. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ces choses en tête. Et enfin, on considère qu'une reconversion, eh bien, c'est 2 ans dans un nouveau métier. Ça fait la différence entre des parcours, entre guillemets, erratiques et des parcours construits qui ont un cap. Alors, je voulais juste vous dire que cette définition, elle n'est pas de moi. Moi, j'ai une formation de sociologue en plus d'avoir été avocate. Et donc, c'est vraiment issu de cariologie, d'accord? D'études. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner des références. Donc, ça, c'est la clé numéro 2, c'est savoir de quoi on parle, savoir ce que c'est qu'une reconversion professionnelle. La clé numéro 3, c'est orientation ou vocation. Alors, c'est pour vous aider à faire le tri un petit peu dans ce que vous avez vécu et avoir une ligne de réflexion. L'idée, c'est de vous remettre au moment où vous avez fait le choix de votre métier. Est-ce que vous étiez dans un choix qui est une vocation? Ou est-ce que vous étiez dans ce qu'on appelle la vocation contrée, c'est-à-dire un parcours soit non choisi, soit qui implique un renoncement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en termes d'identité professionnelle, c'est évident que lorsqu'on réalise sa vocation, on a une identité qui est beaucoup plus affirmée que lorsque on a un parcours qui se fait entre guillemets par défaut. Ceci étant dit, 80% de la population a un parcours professionnel qui se fait par défaut. Mais néanmoins, c'est important d'en avoir conscience. Donc, c'est quoi une renonciation? C'est par exemple un renoncement à une carrière, soit par norme, soit par injonction parentale, soit parce qu'on n'y arrive pas et qu'il y a des éléments techniques qu'on ne franchit pas. Ce sont aussi les parcours d'errance, entre guillemets, où quelqu'un fait 1 an d'études, 2 ans d'études, puis ensuite décide de changer d'études, mais finalement, il n'y a pas vraiment de projet. Évidemment, nous sommes des femmes et on sait que le choix d'orientation est extrêmement genré, donc peut-être que cela a impacté aussi votre choix professionnel. Enfin, c'est évident que la famille, votre famille, a grandement pesé dans le choix de votre orientation, positivement ou pas, et c'est à vous de prendre cette distance pour savoir comment ça s'est passé et si aujourd'hui, le métier que vous exercez, c'était le métier que vous vouliez faire. Il y a également évidemment les aléas de la vie, lorsqu'on doit s'arrêter pour des raisons économiques, lorsqu'on doit arrêter ses études pour des raisons de maternité, les maladies. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire qu'on est dans une vocation contrée, d'accord? Alors, je voulais vous dire quelque chose d'important. Là, je speed parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais sur mon site internet, ensembleunjob.fr, vous avez un petit e-book en téléchargement gratuit qui s'appelle « Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie ». Et là, vous aurez tous les éléments que je vous présente hyper vite, bien détaillés. Et ça va vraiment vous aider à comprendre votre chemin et à le construire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, la clé numéro 3, vous avez bien compris, c'est orientation ou vocation. D'accord? Ensuite, la clé numéro 4, elle est à trouver dans vos conditions de travail. Les conditions passées pour celles qui sont en recherche d'emploi ou présentes pour celles qui sont en poste. D'accord? Parce que ces conditions de travail, elles peuvent jouer positivement pour structurer votre identité professionnelle et vous épanouir. Et à contrario, elles peuvent aussi jouer à vous éloigner de votre environnement professionnel pour beaucoup de raisons. D'accord? Donc, en fait, vous avez et bien évidemment les sujets d'organisation du travail. L'organisation du travail, c'est la durée et l'intensité de l'activité qui peut varier, soit en diminuant et ça ne vous satisfait pas, soit parce que vous vous sentez moins reconnu, soit ça augmente et du coup, ça génère énormément de stress pour vous.
Les changements d'orientation, ça peut aussi être une perte d'autonomie dans sa marge de manœuvre, qui sont en général des éléments qui sont extrêmement déstructurants. Vous avez aussi les facteurs d'ambiance à proprement parler, et c'est évident qu'un environnement conflictuel, c'est extrêmement destructeur et c'est extrêmement insidieux. Autrement dit, il y a des environnements professionnels où structurellement, on doit hurler et on doit être dans des rapports de force presque violents avec ses collègues. C'est comme ça que c'est fait. Sauf que, d'abord, ce n'est pas forcément en lien avec votre compétence professionnelle, mais il faut savoir que c'est extrêmement destructeur. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, votre questionnement, il vient de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez. Après, bien évidemment, vous avez la pression. Donc, la pression, c'est la charge de travail et c'est le niveau qu'on vous demande. Si vous vous sentez incompétent parce que c'est trop dur, c'est pareil, ça vous éloigne grandement et ça vous met en souffrance dans votre relation de travail. Donc ça, c'est un facteur qui peut générer un éloignement de votre travail. Ensuite, bien évidemment, vous avez la routine, l'ennui. L'ennui, ça vous éloigne. Et vous avez aussi dans votre organisation l'absence de reconnaissance, de perspective et la non-reconnaissance. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans vos conditions de travail, vous pouvez avoir des éléments, donc les conditions présentes ou passées, vous pouvez avoir des éléments qui vous ont éloigné de votre projet professionnel, même si vous aimez votre travail, et c'est vraiment des éléments qui sont liés à des organisations. D'accord ? Ensuite, là, donc ça c'est votre clé numéro 4, d'accord ? C'est vos conditions de travail. La clé numéro 5, elle est très basique. C'est est-ce que je peux continuer ou pas ? D'accord ? Là, on va identifier votre degré d'insatisfaction. D'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux continuer dans mon job, éventuellement en changeant de boîte, ou est-ce que, pour des raisons hyper importantes, eh ben, je ne peux pas y retourner ? Soit parce que je me rends compte que je ne supporte plus la relation avec les clients, soit parce que je me rends compte qu'il y a un élément structurant. Par exemple, moi, j'ai accompagné des enseignants qui ne supportaient plus la relation avec l'enfant, la gestion d'une classe. Et bien là, dans ces cas-là, il est évident qu'il faut faire quelque chose, en fait. Donc ça, c'est vraiment à vous aussi de vous questionner. Est-ce que je peux continuer ? Autrement dit, est-ce que ce que je ressens, ça a trait avec des relations structurantes de mon métier ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des éléments sur lesquels je peux jouer ? D'accord ? Ça, ça vous permet de discerner votre travail. Et là où vous en êtes surtout. Il faut comprendre que à ce moment-là, si vous êtes en train de formaliser le fait que vous ne pouvez plus continuer dans votre ancien boulot, vous êtes dans une période qui est une réelle période de souffrance, d'accord ? Parce que vous êtes en déstabilisation, en un moment où en fait vous avez besoin de vous reconstruire et vous êtes en perte de repère, d'accord ? Et cette recherche-là et ce chemin, il peut être assez difficile à faire concrètement et assez déstabilisant, d'accord ? Donc, c'est important, dans votre clé numéro 5, d'essayer d'être au clair avec les éléments qui font que vous vous posez cette question structurante, d'accord ? La clé numéro 6, c'est de connaître les éléments déclencheurs. Et croyez-moi, ça compte énormément. Vous avez des événements qui sont identifiés dans un parcours professionnel et qui vont beaucoup plus facilement vous inciter ou faciliter une bifurcation par rapport à d'autres. Typiquement, des événements professionnels, lorsqu'on est licencié, lorsqu'on bénéficie d'un plan de départ volontaire, eh ben on va plus naturellement laisser la place à ce désir de reconversion que ben, si ce n'était pas le cas, bien évidemment. Plus de manière plus brutale, un refus de mobilité, un nouveau poste, une nouvelle organisation, ça peut vous inviter aussi, ça peut être un élément déclencheur pour franchir le pas. Vous pouvez, comme je vous le disais, avoir le constat de l'impossibilité d'exercer votre métier. Et puis, vous pouvez avoir des événements personnels. En fait, j'ai envie de vous dire tous les événements qui sont en lien avec un éloignement de votre relation de travail. Donc, chaque naissance pour une femme peut être une occasion de renégocier son engagement professionnel et son lien de travail. Autrement dit, chaque naissance peut être une occasion ou un événement qui va déclencher la bifurcation, d'accord ? La reconversion. Les épreuves de la vie, les divorces, les épreuves, elles vont remettre la question du sens au premier rang. Et bien souvent, ça peut être des événements qui génèrent aussi ceux et qui déclenchent
votre désir de reconversion. Après, il faut savoir que toutes les périodes, je vous le disais, d'éloignement, les périodes sans travail ou même d'éloignement dans la relation de travail, ce sont des éléments qui sont hyper importants pour déclencher la reconversion professionnelle. Donc moi, en ce moment, je suis une professionnelle de l'accompagnement à la recherche d'emploi. J'ai ensemble un job et ça fait un an que les gens viennent me voir en me disant « Je ne vois plus mes collègues, je ne vois plus mon employeur, j'ai envie de me reconvertir. » D'accord ? L'éloignement, la distanciation sociale, le fait de ne plus être dans un rythme de travail, même si vous savez qu'en fait, à terme, votre emploi n'est pas menacé, eh bien, c'est extrêmement déstructurant. J'ai eu dans mon entourage des personnes qui étaient passionnées par leur travail, qui étaient en arrêt longue maladie et qui, à l'issue de cet arrêt, me disaient « Je crois que je vais changer de métier. » Et c'était des personnes vraiment passionnées. Donc, ne sous-estimez pas l'impact de l'éloignement. C'est ça que je veux vous dire, d'accord ? Et c'est très important aussi de comprendre que c'est vous qui… Alors, donc, ça, c'était ma clé numéro 6. C'était connaître les événements déclencheurs. Vous avez compris, les événements déclencheurs, ils peuvent être d'ordre professionnel ou personnel. Mais dans tous les cas, je fais un focus là-dessus, un éloignement géographique, temporel, va plus facilement susciter une reconversion professionnelle. Et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que vous êtes toujours à la manœuvre. Et ça, c'est la clé numéro 7. Et s'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-ci. L'événement provoque le sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vous qui êtes à la manœuvre et qui choisissez de donner du sens à ce que vous vivez. Ce n'est pas parce que vous êtes éloigné de votre employeur depuis un an que vous devez vous reconvertir. Une reconversion avec ce que ça implique, il y a un choix qui doit être fait. C'est impératif aussi pour vous et pour la réussite de votre chemin. OK ? Du coup, il y a beaucoup de gens, de femmes qui te remercient déjà pour le lien pour l'e-book. Et, ah, c'est gentil, merci. Voilà, et après, donc effectivement, y en a qui sont au chômage, il y en a qui ont entamé une reconversion, mais elles sont perdues dans les démarches, qui ont entamé des bilans de compétences, voilà, il y a plein de bon. Sujets différents ou plein de recherches différentes, en tout cas. Oui, c'est vrai que, alors déjà, je vous remercie beaucoup les unes et les autres d'avoir réagi. Et je voulais vous dire quelque chose quand je vous ai dit la clé 1, prendre de la distance. C'est qu'en fait, quoi qu'on en dise, et quand j'entends celles qui disent « je suis en reconversion, mais je suis un peu perdue », celles qui sont en recherche d'emploi, malheureusement, contrairement aussi au discours ambiant, il faut quand même bien entendre que vous êtes très, très livrée à vous-même et que le parcours, c'est vous qui le portez. Et du coup, ça me permet de faire un lien pour Ensemble un job que je vais vous présenter très rapidement puisque j'ai conscience de l'heure. Je pense que vous êtes bien rincés après cette matinée. Donc déjà, je vais vous mettre plein d'éléments sur le chat. Donc allez sur le chat de Profession L. Donc vous avez compris, vous avez mon e-book. Ensemble un job, moi je suis la première plateforme de bilan de compétences collaboratif. Donc on est innovant, solidaire et au juste prix. En deux mots, on est volontairement beaucoup moins cher que le marché, surtout pour celles d'entre vous qui n'ont pas de prise en charge. Et on vous propose un accompagnement à distance sur une plateforme digitale opérationnelle au sein d'un groupe de travail de 4 personnes qui va se retrouver en autonomie. Donc, vous avez toutes les semaines, donc pas une fois de temps en temps, vous avez 16 réunions de travail avec votre groupe de 4 personnes. Et vous avez sur la plateforme tous les éléments pour animer vous-même vos réunions. Et puis, bien évidemment, sur la plateforme, vous avez tous vos exercices de bilan à faire avec des exercices qui s'auto, des supports à remplir qui s'auto-implimentent, des vidéos, etc. Donc, on est super qualitatif, on est Calliope, on est CPF, on a plus de 260 membres avec 94% de satisfaits. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à se connecter ce matin sur Click and Meet et j'en suis super désolée. Donc, je vais vous mettre sur le chat des liens pour prendre rendez-vous directement avec moi sur Calendly ce soir après 17h, donc après le salon, et demain, d'accord ? Et demain, sur le Click and Meet, j'aurai ma collaboratrice Séverine, d'accord ? Donc, ça, c'est pour vous. On va de toutes les façons réussir à se parler. Vous allez télécharger le e-book qui va compléter ce que je viens de vous dire et j'espère vous éclairer. Après, moi, je vous propose, sur le Click and Meet, si ça marche bien, on se donne rendez-vous à 14h et de toutes les façons, je vous fais une réunion de présentation. Et je serai encore là tout l'après-midi.
Et ce que je voulais vous dire enfin, alors après, il y en aura peut-être d'entre vous qui ont des questions. Je laisse la place aux questions. On aura volontairement quelques minutes. C'est que j'ai eu la chance, dans le cadre du programme Femmes Entrepreneurs de Orange, d'avoir un podcast sur l'aventure ensemble un job. Je vais vous mettre aussi le lien sur le chat. C'est vraiment un chouette podcast. Et pour celles d'entre vous qui se questionnent sur l'entrepreneuriat, la création d'activités, eh bien vraiment, allez-y. D'abord, vous aurez l'histoire d'Ensemble un job qui est une belle histoire, à la fois de solidarité, de vraies réalisations. Et puis, vous aurez d'autres histoires d'entrepreneuses. Donc, on a, vous voyez, beaucoup d'endroits pour se connecter et pour se parler. Je vous ai mis aussi sur ma page mon email pour me contacter directement. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, si vous voulez juste, comme pour un salon normal, venir me rencontrer, me parler de ce qui vaut, de vos besoins, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions, Séverine ? En fait, c'est beaucoup de gens qui te donnent effectivement leur situation professionnelle. Il y en a qui te disent que effectivement, quand on se retrouve toute seule, c'est un peu compliqué d'avoir confiance en soi. Très important. Donc, c'est rien que pour ça, Ensemble un job, vous ne pouvez pas imaginer comme ça vous transforme. Donc, au chômage avec un réel désir de reconversion et besoin de cheminer avant de savoir quoi faire. Normal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Et je vais juste dire, non seulement c'est normal de cheminer, mais il faut prendre le temps. Les reconversions qui sont faites dans l'urgence, ça aussi c'est prouvé scientifiquement, c'est pas forcément un gage de réussite. Il faut aussi que votre conversion, vous la portiez avec votre ventre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est Tatiana qui disait qu'elle était en errance professionnelle et 4 ans sans activité. Du coup, elle a perdu toute confiance en elle. Ouais. Je te disais tout à l'heure, voilà. On a remis effectivement les liens pour toi de ton podcast, de Calendly, etc. Y a Isabelle qui demande jusqu'à quel âge peut-on se reconvertir. C'est une bonne question. Écoutez, il n'y a pas d'âge pour la reconversion. Moi, vous voyez en ce moment, j'ai une membre Ensemble un job qui a une petite soixantaine, qui a fait beaucoup de communication et qui s'oriente vers la communication digitale, la rédaction web marketing, et elle s'en sort extrêmement bien. Très bien. Après, je voudrais juste vous dire aussi quelque chose. Quand vous parliez, je crois que c'est Tatiana, sur la perte de confiance. Vous ne pouvez pas vous imaginer, et c'est pour ça que j'ai créé Ensemble un job. Allez écouter le podcast, allez écouter le podcast, ça va vous éclairer sur notre belle histoire. J'ai créé Ensemble un job parce que quand on est en recherche d'emploi ou en reconversion et qu'on est tout seul chez soi, plus les jours passent et plus on se perd. Et vous n'osez pas en parler avec vos proches parce que vous avez peur de les ennuyer. Vous n'osez pas en parler et en fait, être entre pairs et avoir un espace d'échange construit. Donc, on ne va pas arriver toutes les semaines en se disant « Ah, ça ne va pas ». On va arriver en ayant bossé, en ayant des trucs à dire. Donc, on avance. Et du coup, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça vous donne de l'air en termes d'estime de soi. Et oui, c'est tout l'avantage d'Ensemble un job que nous, on connaît bien et dont on entend vraiment parler de tous les bénéfices depuis longtemps maintenant. Voilà. Donc, du coup, il y a… Alors, attendez, c'est parce que je ne vois pas très bien. Hop. Donc, effectivement, il y a Pascal Lefort qui est en pleine réflexion pour une fin de carrière suite à une rupture conventionnelle. Eh bien, bienvenue, Pascal. Prenez rendez-vous, on va se parler. Moi, j'accueille des personnes comme vous toute l'année. Alors, on a la chance d'avoir dans les mêmes groupes des personnes en poste et des personnes en recherche d'emploi. Donc, ça donne une super émulation. Puis, on a aussi des personnes qui sont fonctionnaires. Moi, j'ai un certain nombre d'enseignants. J'ai aussi des fonctionnaires parce qu'ils ont très peu d'aide pour se reconvertir. Et puis, j'ai des personnes qui sont salariées en recherche d'emploi en poste. Et puis, j'ai des indépendants. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous d'ouvrir votre champ des possibles et de créer un vrai lien social de qualité. Et oui, donc merci beaucoup. Tu as Elina, ça rassure, Tatiana, moi pareil. Du coup, gros doute, trouver ma voie. Donc, c'est vraiment à chaque fois la même interrogation, c'est pouvoir être orienté, pour pouvoir s'aider, pour trouver son chemin, finalement. Alors, ce que je vais vous dire, et c'est ce que je dis dans le podcast, c'est que moi, je ne fais que vous fournir les outils. Parce que je vous fais confiance en ayant un travail méthodique et de qualité pour trouver votre voie. Pour ma part, je ne veux personne entendre, je ne veux jamais entendre dire « Ensemble un job m'a dit que ». Ça, c'est juste même pas imaginable.
Ensemble un job vous apporte les outils, vous aide, mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui construisez. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que tout seul, on gamberge et on tourne en rond. Et qu'on a besoin d'avoir un chemin de pensée construit, en fait une méthode, pour partir d'un point A et arriver avec un projet épanouissant, réaliste, qui vous permet de gagner votre vie et qui est atteignable. Donc tout ça, ça fait partie d'un il faut prospecter, il faut se connaître, il faut connaître aussi ses besoins. Et quand on a tout ça, et ben à la fin, on est capé, confiant, et forcément, la posture change. Exactement. En tout cas, Claire, tu as beaucoup de gens qui te remercient pour ton intervention. Et que, voilà. Et du coup, on sait qu'on sera bien accompagné par Ensemble un Job. Il y en a plein aussi qui te disent que le tarif, c'est intéressant aussi, de toute façon. Donc, Ça, c'est notre engagement solidaire, ça fait partie. Mais vraiment, allez écouter le podcast. J'ai pas parlé de moi ni de cette histoire, mais notre ambition, c'est vraiment de vous apporter des outils de qualité au juste prix. Exactement. Donc Claire, on te retrouve sur ton Click and Meet tout à l'heure à 14h pour une présentation d'Ensemble un Job plus approfondie certainement. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur la page de d'Ensemble un Job. Avec grand plaisir. Et tout l'après-midi aussi sur le Click and Meet pour des échanges, des rencontres. Je l'espère, je le souhaite, on en a besoin. Merci beaucoup de ton intervention Claire et je te souhaite un bon salon. N'hésitez pas à mettre des petits pouces de partout. Je sais que tout le monde a apprécié l'intervention de Claire. Ça se mobilise comme ça vraiment aussi. Vraiment, merci. Merci à vous. Parce qu'en plus, on a un petit peu faim, là. Vous avez une matinée très dense. Exactement. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. À tout à l'heure. Merci, Claire. Bon après-midi. Merci, Séverine. Merci à toutes pour votre présence. Merci.